Oui, j'ai pas de musique. Normalement, il y a de la musique. Allô? Ou quoi, on va commencer direct. Je viens de faire slash le tympan. Ah oui, j'accepte de vendre mon âme. Oh, tabarnouche. Qui lit ça? Attention, on est en ligne, version d'application 1.0, version de régulation 1.4. Moi? T'as 14 ans? C'est pas là. Là, on a perdu la moitié du monde qui était là tout à l'heure. Calique! C'est pas grave. Les vrais sont encore là. Les vrais veulent du Dark Souls. Ok, bon, mon mic était là, tout est bon. Comment ça, y a pas de musique? Ah, tout est correct. On est touché. Re. Arrêtez de quitter! Ok. Vous me direz pour la balance des sons, hein? Allez, gars, on dirait que je suis hype, là! Oh, ça va être fou! Juste cette tune-là, tu sais que c'est un masterpiece. Dude, on dirait. On dirait fucking. Une safe room, genre dans Resident Evil. Sexe tous les jours. Non, c'est homme. Ah oui, mais là, faut que je choisis. Attends une minute. Ma classe, je vais commencer par mon nom. Saisir un nom. Gropen? Moi? Gropen. Salut chez... Comment c'est... Bonsoir, Kakamon... Elle est pas là? C'est Kakamon qui est là? Salut mec Dark Gold, ça va bien? Ça va être numéro 1, ma man. Bonsoir Kakamom, bonsoir, bonsoir. Je sais pas si je suis une vraie, mais je suis encore le parfait. Alors attention, super important, faut choisir sa classe. Guerrier. Guerrier intrépide, expert en armes, force et dextérité élevée. Alors on commence avec une épée puis un bouclier. Ah, c'est qu'elle est bonne la musique. Chevalier. Chevalier novice. Point de vie élevé. Armure solide. Difficile à renverser. C'est la même affaire que l'autre. C'est pas de séance. Ah oui, ok. Il y a plus de... Il y a plus de points de vie que d'attaque, lui. C'est, mettons, genre, tu veux encaisser, là. Aventurier. Ah, la musique, les gars. Ah, c'est le build de deck, c'est ça? Allô? La musique est dans le tapis. À 4, on est bon. Sir Gropen? Ça va être pas fait. Alors, voleur, ça c'est vraiment le vrai. Ok. Ça va être l'hybride, genre, un peu équilibré. Bouclier, cimetière. Ça c'est le vrai build de Dex. Sauf que ça va être le build de Dex pour les petits couteaux, vu qu'il y a vraiment pas beaucoup de force. Ça va être le truc qui est équilibré. Le bandit. Le bandit, force élevée, porte une grande hache de guerre. Le chasseur, archer, combat en mêlée, faible en magie. Ah, lui, il doit avoir justement genre son arc. Fait qu'il n'a pas de sort de magie en distance, mais tu peux tirer des flèches, là, il ne monte pas. Ouais, ça a l'air que pyromancien, c'est l'affaire qu'il faut jouer.
Ça, c'est le build pour faire de la magie. Ça, c'est... Ça a l'air fucking OP, les gars. Genre, il commence niveau 1, genre. Le gars, il commence niveau 1, genre. Comment tu veux pas jouer ce bonhomme-là? Pierrot du Marais. Lance sort de feu, porte hache légère. Le seul problème, c'est que sa fucking hache a l'air nul. Le clair aussi, il a l'air popé. Le build de foi, ça. Claire en pèlerinage. Porte masse. Lance miracle et guérison. Ça, c'est pas pour moi, ça. Mendiant. Ça, apparemment, il faut jouer mendiant. Peu importe le jeu, il faut tout le temps que tu joues tout nu. Parce qu'apparemment, toutes les sauces, tous les trucs que tu vas trouver, tu vas être en mode genre, ah, si, c'est la meilleure affaire de ma vie. Mais je pense que c'est pour les 10 premières heures seulement que ça fait ça. Mendiant de Saint-Gé. Je suis un PPG, j'ai pratiquement joué. J'ai juste joué guerrier. Guerrier gaming. Je devrais me repartir une game sur ça. Let's go, les gars, partez-vous une game avec moi, genre. J'ai starté clair. Mais c'est juste que je sais pas encore quoi penser, genre des... J'avais dit que Demon's Souls, j'ai joué force, ok? Elden Ring, j'ai joué Dex. Puis j'avais dit mon prochain jeu, j'allais jouer, genre, Miracle. Puis là, dans ce jeu-là, il y a Solaire. Je sais pas, man. Je pense que j'ai envie de jouer juste random. Je pense que je vais faire comme tout le monde. J'ai envie de jouer Pyromancien. J'ai envie de jouer Pyro. Quoique la Dex est à... sa dextérité est à 9. Ça se trouve, il va falloir que je mette beaucoup de points de Dex au début pour mettre des armes. Genre une épée ou n'importe quel shit. Clairement, Mendiant, c'est pas bon. Pis c'est pas parce qu'il est tout nu. C'est qu'il y a 11 partout puis il est niveau 6. Yo, what the fuck? Genre, tout le monde a un niveau plus bas. Ça va me coûter moins cher mettre des points d'XP, genre. M'a joué pyromancien, genre, à un moment donné. Genre, stop. Alors, aucun. Un don. Ça, désolé, je me suis spoilé. Passe-partout, apparemment, c'est vraiment bon. C'est une clé qui ouvre tout, genre. Ben, il couvre les premières portes du jeu, genre. Apparemment, c'est ça qu'il faut faire, genre, au début. T'es stock au premier boss sur le pont? Est-ce que c'est bon dans ta première run? Pas vraiment, tu penses? C'est à double tranchant, ça dépend. Attends, de quoi qu'on parle? La clé? Guerrier, c'est gold. Si tu joues avec des weapons... Tu vas te perdre et aller au mauvais endroit avec la clé. Tu penses? Ben, t'es un 100% gamer, so le passe-partout un peu useless. Ah ouais? Je recommande zéro clé? Ah ouais? Je devrais jouer quoi de bord, les gars? DS1, mon préféré. Salut, Big Tuna. Salut, Mélanie. Ça va très bien, toi? Je recommande la clé pour le plaisir des viewers. C'est qui est laid. Prends des longues vues, hein? Yo, c'est tellement moi! C'est tellement moi la longue vue! On va pouvoir regarder le trou de balle des... Le physique moyen, mince, émancié, émacié, musclé. Très musclé? Non, ça c'est fat, man. Buste musclé. Ah ouais, ça c'est moi, ça. Buste musclé, là. Jambes musclées. Le gars, man, c'est une poire. Tête large. Petite tête. Peu de matière grise. Non! On va prendre un gars... Buste musclé. Peux-tu le voir, j'en sens... Attends une minute, si je mets buste musclé... Ah, oh, que c'est laid! Moi, je suis musclé, man. Salut Nico, ça va bien? Bienvenue sur la chaîne.
ses musclores incroyables. Les jumelles, bien sûr, toujours les jumelles. Attention, le visage roturier. Attends, ils ont toute une explication. Visage banal de roturier, ok. Visage commun du delta des cinq doigts. Beau visage raffiné commun dans Astoria, incroyable. Érudit draconique, ligne droite et regard intelligent, mais souvent moqué. Un clair de Torola. Oh! Un vrai gamer depuis un an. Christian, merci beaucoup pour ton son. Maintenant, t'es rendu un vrai gamer! Voilà, tu es le meilleur visage souriant. Merci beaucoup, mon homme. Le perso, c'est un pyromancien musclé comme The Rock. Exactement, les gars. Pas de stéroïdes, hein. Juste des séances de musculation 4 heures le matin. Ah, oh, j'aime ça, l'exalté, ça me parle. Très jovieux de Katarina. Adore boire et faire la fête. Incroyable. Dubitatif de Karim. Très sinistre associé au conte de Karim. Incroyable. Ancien de Xena. Visage mature, réfléchi, commun dans le Xena historique. Sinistre du... C'est quoi cette face-là? Il est où mon menton? Apparence typique des hérétiques peut leur porter préjudice. Mais les pyromanciers, ils viennent pas des marais? Si je veux jouer full RP, faut que je prenne cette face de laine? Faut que je prenne un turco-mongol pour genre jouer mon pyromancien? Voyageur oriental. Yeux en amande et lèvres fines typiques d'une terre lointaine. Il a l'air d'un nordique, le gars. Il a l'air zéro d'un oriental. Je peux-tu changer la face? Ah oui, personnalisé. Je peux faire aléatoire. Sont toutes lettres. Je sais pas, les gars, moi je suis full RP, vous comprenez pas, là. Ah oui, ça a l'air d'être un bon, ça. Là, comment je fais pour y donner un peu plus de... Ah oui, ça change absolument rien, c'est de la merde. Attends, cheveux noirs. Ah, ça marche pas, il faudrait que j'y mette un... Cheveux. Oh man, on dirait le frère épais de Bruce Lee. J'aime ça. Cœur de cheval. Libre. Milon. Bouclé. Carré. Une belle coupe bol, les gars. On est parti là-dessus. Belle coupe bol. Ah oui, enflammé, man. Je suis un pyromancien enflammé. Je vais tout brûler! Je vais tout brûler! Oh, man. C'est bon, ce pain bon. Au moins, il va avoir de quoi sa tête. Mais c'est ça, l'affaire, là. Je sais qu'on finit tout en mort vivant. Ben écoutez les gars, c'est parti. Attendez un instant, je veux quand même regarder un peu mes shit. Non, c'est correct. Je pense que je suis correct, là. Ce qui me fait un peu peur, c'est que vous m'avez genre dit de pas prendre le passe-partout, mais... Je pense que je vous fais confiance. Mais en même temps, je pense que... Ah, je sais pas.
C'est un monstre! Je suis un exalté! C'est moi, Gropen! Non, on dirait que le nom marche pas, Gropen. Je suis exalté, je suis genre... Ah, oh man, je sais pas, man. Faudrait qu'on trouve un... Luc? Non, je sais pas. Ben, Luc, ça fait lumière en latin. Je sais pas, man. Gropen? Nev? Ben voyons, Dark Souls. Ben oui, Dark Souls, c'est le nom de mon père, pis c'est un pyromancien. Gargamel? Ah, je sais pas. J'ai pas d'originalité, je vais y aller avec ça, les gars. C'est parti. On y va avec Gropen. Petit brin? Non. On y va avec Gropen. J'ai pas d'idée, là. On y va comme ça. Ah, je regrette tellement, il est tellement laid, mon bonhomme. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Ron Weasley. The land of grey crags. Hey, j'ai jamais vu ça, genre. Je vais porter attention, les gars. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. Qui regarde ça, le gars qui regarde la première fois? And of course, light and dark. J'sais pas, man, c'est nice comme animation. Then, from the dark, they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Ça va être un boss. Hein. The Witch of Izalith. 2011, le jeu, je pense. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. Ça va expliquer le lore, ça, c'est des chevaliers noirs, ça. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Mouais. With the strength of lords, they challenge the dragons. Hey, cette attaque-là, on l'a fait dans Elden Ring! Ils ont finalement été capables, 10 ans plus tard, de le faire. Ça file tellement comme un boss, ça. L'écorché. C'est nice! Flashbang! Thus began the age. Oui, j'ai crashé, chérie, allô? But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed. C'est jamais clair, hein, l'histoire dans ces jeux-là. Mais c'est beau. C'est beau. Parfait, parfait. Ça commence, là. J'essaie de trouver le feu parce qu'il a disparu. Bonne nuit, je suis éclaté. Bonne nuit, Volal. Merci beaucoup d'être passé, mon homme.
And in this land, le cléric? Non, mais je veux pas jouer avec de la foi. Dead are corralled and led to the north. En fait, je sais pas que je dois jouer. Je sais pas. On a pris pyromancien, il était niveau 1. Where they are locked away to await the end of the world. Vous allez pouvoir backseat les gars, inquiétez-vous pas. C'est moi ça. This l'exalté du marais. Heroes, c'est bon? Excellent. Faudra mettre un compteur de mort, là. Pour me faire un doigt d'honneur à moi-même. Je le connais, lui, il était dans Demon's Souls, c'est le chevalier. On backseat pas, on te laisse sacré, ça commence comme Elder Scrolls. Incroyable, le refuge des morts vivants. Une clé des oubliettes. Bon, attendez, comment ça joue déjà ce jeu-là? Parfait. Minute là. Ah, je pense que c'est les flèches pour zoomer. Oui, c'est ça! Au tabarnouche, on zoome pas beaucoup. Vous m'avez eu, les gars, vous m'avez eu. On n'a pas le droit de spoiler, je présume. Ben non, évidemment. Attends une minute, on va lire les niaiseries au sol, là. Comment le gars, il est fait pour mourir ici? Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a personne, ça? Commande la caméra, ouais, ok, comme ça. Attaque. Vous me direz, hein, pour le son, c'est correct? Attaque puissante. Ah oui, mais c'est comme ça qu'il est mort, le gars. 10 sur 10? Tiens, toi. Pour sprinter. Ah oui, c'est vrai, sprinter. On peut... Comment on fait déjà pour sauter? Attends une minute. Spin. C'est ça, faut appuyer sur cercle. Incroyable. Ok. Ténèbres droit devant, merci beaucoup de l'info, chose. J'étais pas supposé avoir une hache, moi. J'ai une vieille épée cassée. Double tap. Ouais, c'est double tap pour courir. Pour faire le saut, ok, parfait. C'est me rolling. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Repos, feu. Ah oui, bon rétablissement, puis tout. Ben oui. Un feu a été allumé. Parfait. C'est mes sorts, hein. C'est un vieux brûlot, ça. J'avais pris le passe-partout, on aurait pu l'ouvrir. C'est évident. Ah oui, y a pas un boss qui attend là? Non, il s'est pas oublié de s'asseoir au feu. Vous me prenez pour un cave. Oui, c'est ça! Ah, désolé, mais le début du jeu, je... Motherfucker. Sorry, les gars. Sorry. La musique. Préparez votre bouclier. Ben oui, mais donne-moi les. Skip. Aïe aïe.
14 minutes. Ah ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, le smat. Oh. Oh, mâchez-le. Monter jusqu'en haut? Tiens-toi. Comment je fais déjà? Ça, c'est triangle pour jouer. Ça va être tout seul avec les boss. Oh, l'endurance, ça s'en va tellement vite. J'ai une flèche dedans moi, oui. Oui, mon amour. Les gars. Ça me mélange un peu Dark Souls, Elden Ring. C'est lequel qui est un feu pour se reposer? C'est justement celui-là. C'est le plus vieux des deux. Ah oui, mais attends une minute, ça c'est... Oh le con! Je savais que ça s'en venait le pain! J'ai vu plein de monde se faire pogner. Mais bravo! Colasse! You're no hollow. Oh, liste insultant. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. Faut faire sonner des cloches, hein, c'est ça? And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. What you done? An Estus flask. Ah, oui, c'est vrai. An undead favorite. Oh. And this. Was there une clé? Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. Une belle armure, toi, ça te tente pas de la drop? And thank you. J'ai une question pour toi concernant Live Alive. Est-ce que lorsqu'on a terminé de faire les 7 histoires, il y a une nouvelle game qui commence? Quand tu as terminé de faire les personnages principaux, il y a une autre quête qui va popper? Que t'as pas, tu vas être assez au courant, assez vite, genre de... Qu'est-ce qui se passe? Ok, fait que si je me place là... J'ai l'impression que le son, il est méga fort, les gars. À partir de maintenant, si tu bois dans le jeu, tu bois IRL. Exactement. Il faut boire IRL. Là. Oh, man, la barre d'endurance, comment elle fond? Il y a quelque chose d'autre qui va popper après les 7 histoires. Un truc à deux mains. De vendre un Samsung. Le son est good? Ok, c'est correct. Tac plongeante. Oh. Ah! Mais non, mais accepte-les! Ah, le con.
Yetata, yetata, yetata. By the way, m'a demandé de congé et de... ma demande de congé d'éjecter pour ce qu'on a parlé en fin de semaine. Parfait. Je m'en rappelle plus. Ok, c'est bon. Ah oui, pour le mois d'août, ça m'en revient, ça m'en revient. Il est complètement nul. Je crois qu'il y a du monde qui meurt ici. Para. Ah, oh, j'aurais pu pratiquer ma para. Attendez, là. Attendez. C'est quoi qui est l'idéal? De mettre cette affaire-là pour les flancs? Fait que si je veux... Attendez une minute. Si je veux lancer mes flammes, ça va être avec l'autre truc? Avec la... L1, c'est ça? Parade de Noël? Ça va être L1, ok, parfait. Pas de pyromancé, mais oui, mais non, mais j'en ai, là. J'ai boule de feu 8. C'est ça qui est fou, genre, la magie dans ce jeu-là, t'as pas de barre de mana, hein? Ah, ça doit être chiant, jouer un magicien. Là, il y a le boss qui est de l'autre côté, man. J'ai pris une journée de congé pour mon mariage. Catherine. Catherine. Ok, mon esti. Oh yo, on va l'éclater. Oh, il n'existe pas. T'existe pas. T'existe pas. Ben trop facile, bro. Une humanité. Pyromancie, c'est easy game. Écoutez, moi, genre, je vous le dis, les gars. J'ai juste vu niveau 1, je fais let's go. J'ai un gars de main. J'ai un gars simple. On entend marcher. Ah, ça doit être l'autre qui est dans les. Dans les bas-fonds. C'est bon jeu, là. Ça commence bien, les gars. Je suis pas pour vous, là. Ça commence vraiment bien, là. Et les pyromancies vraiment cool. Fais un Souls Light 1 tout le long. Mais non, mais là, attendez. Là. Là, quand il découvre le jeu, peux-tu pas level up, s'il te plaît? Peux-tu rester au niveau 1, s'il te plaît? Un jour, les gars. Un jour, je vous promets, on va faire le jeu. Seulement de niveau 1 sans monter de niveau. C'est pas tout de suite. Là. Faut que je découvre le jeu, promis. Bon, j'ai toute une vie devant moi, genre. Pourquoi je promettrais pas ça, genre? J'ai promis 10 000 affaires, je peux bien vous promettre ça en plus. Bon. À partir de maintenant, normalement, je connais plus trop ça, là. Je sais qu'il y a un feu. En tout cas, je vais vous dire jusqu'à où que je sais un peu que... Je connais le jeu un peu à partir du dragon, là. Mais après ça, j'ai aucune idée, là. Politicien. Mais non, mais je suis divertisseur, moi. Je suis streamer arnaqueur, ça stream, ça pas ensemble. Je calme moi pas, c'est les gars qui ont collé le mariage. Pas vrai? Le premier une bague. Il a déjà mis un item. Non, pour vrai? Fuck! T'as raison, Machiavel dit que c'est ok faire des promesses puis de pas les respecter. Non! Gros corbeau, ça, père. Mon but, c'est pas de pas... Comment dire? Mon but, c'est pas de pas tenir mes promesses. À l'Odran, vous montez de niveau au feu en attisant... Attiser les flammes?
Ok. Niveau supérieur. Ma hache, est-ce qu'elle en quoi? Oh man, je comprends rien. Attends une minute. C'est quoi ça? C'est ma hache? Hache légère, normale. C'est ce qu'elle en C, force. Le biceps, ça va être de la force, la main, la dextérité. La chandelle, l'intelligence, la magie. Puis l'étoile, la foi. Ça doit être ça. Radio time, c'est pas de problème, mon amour. Mets-moi sur la radio. Je commence un nouveau jeu. Je confonds rien. Je suis sur un nouveau jeu. Oh shit, c'est bon ça. On peut déjà se mettre à 15, les gars. Il y avait un solde. Fuck, j'ai manqué avant le corbeau. Changer l'affichage avec corbeau. Ouais, c'est ça, on vient de faire. Je pense que je vais tout mettre en force. Pour l'instant. Ça m'étonnerait que je joue Dex. Dans le pire des cas, là, je pense que si je mets des points dans vitalité, tu peux pas te tromper jusqu'à... Entre 30 et 40, tu peux pas te tromper, right? Même chose avec l'endurance, tu peux pas te tromper en haut de 20 et 30. Endurance, je sais pas, par exemple. Endurance, ça fait peur, man. Je trouvais que je donnais 2-3 coups, j'avais plus d'endurance. Force all the way, mais ça dépend que je veux jouer. On peut... Ok, premier backseat de la soirée. J'ai une question pour vous. C'est une question générale sur le jeu. Je viens d'Elden Ring. J'ai aimé Elden Ring. Est-ce que à un moment donné dans ce jeu-là, on peut refaire son build? Est-ce qu'on peut avoir un personnage, un item, peu importe, où on peut redistribuer les points? Il n'y a pas de restat dans celui-là. Merci de l'info. Non. Oui, tout le temps. Toi, il m'a bat. Je t'aime bien. Non, tu peux pas. Monsieur Nerose, oui. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, mais ok. Fait qu'il faudrait déjà que je sache qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Est-ce que j'ai envie de jouer force? Est-ce que j'ai envie de jouer dex? Clairement, je suis déjà... Quoique 12, ça doit pas être beaucoup pour de la force. Parce que j'imagine n'importe quel weapon qui a de l'allure, genre avec la force. Mettons, je donne un exemple, ok? J'imagine qu'un bon katana qui est en dex, mettons qu'il me faudrait genre 26 ou 23 en dex pour une arme de dex qui est incroyable. Il faudrait sûrement avoir 15 de force aussi, généralement, genre. Ouais, vitalité et endurance, c'est toujours safe. Ouais, c'est ça. Intel? Moi, je fais 0-1 build en intelligence. Je joue zéro la magie dans ce build. Cette game-là, là, je pense pas jouer l'intelligence puis la magie. Je pense pas jouer la foi puis la magie. Parce que la pyromancie de ce que j'ai compris dans le temps, c'est genre complètement indépendant de... Tu peux avoir genre des sorts et tout, puis ça n'a pas rapport avec l'intelligence. Ça se pourrait-tu ou c'est moi qui dis de la merde? Deuxième backseat demandé. Va force pour Spyro. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Il y a un soft cap à 30 de vitalité et 40 d'endurance. Parfait. C'est bien ce que je pensais. Ça scale juste avec le gant. Puis le gant, lui, c'est un... Ça marche comment, le gant? C'est point? Flamme de pyromancie. Ok, t'as juste à l'augmenter, ok. Genre, tu vas voir un forgeron ou quelque chose. Ok, de ce que je comprends du jeu, ok, les gars. Ça, c'est mes points de vie. La volonté de mémoire, de qu'est-ce que j'ai compris. C'est le nombre de slots pour mettre des sorts. L'endurance, c'est la barre verte. La force, c'est genre la force. Bon, une arme qui fonctionne en force. La dex, c'est genre une arme qui fonctionne en dex. Résistance, j'ai aucune idée. Ah ouais, ça fonctionne sur les trucs, genre. Ah ouais. C'est pas dans la vitalité, ça. L'intelligence. Ah ouais, là. Ah, je comprends rien. La résistance, ça donne... C'est quoi l'intérêt de mettre des points dans la résistance? Résistance, c'est ban?
Ça donne quoi le gant? Le gant, tu le pognes plus tard. Alors, je connais pas grand-chose du jeu, mais il semblerait qu'au bout de 10 heures, apparemment, tu rencontres un autre pyromancien qui donne d'autres sorts. C'est tout ce que je sais. Mais ça veut quoi, je vais mettre 15 points là, pis that's it, man. Après ça, on en mettra dans force, dans l'endurance. On essaiera de tout monter ça. Salut, Kradice, coucou! Juste une information, la pyromancie ne dépend pas de l'intelligence ni de la foi. Merci beaucoup. Il semblerait, hein? Ah, j'ai 10 fioles! Ok, ça, c'est une autre affaire, parce que le feu est embrasé ici. C'est ça, genre, c'est le feu, on va dire, mon feu principal, c'est ça? Amuse-toi, c'est ton jeu. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai des petites questions, parce que... Pas parce que je veux me faire spoiler, mais... Parce que, tu sais, tu viens de, mettons, de Elden Ring, ou genre d'un autre jeu, pis t'es comme, ok, mais pourquoi ça marche pas pareil, t'sais? Well, what do we have here? You must be a new arrival. 40 minutes? Guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Il est pas smart, lui. Well, since you're here, let me help you. There are actually two bells of awakening. Okay, deux cloches. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Comment, c'est quoi qu'il a dit? Attends, ah, il m'a donné une fiole de plus? Ah, your face. You're practically hollow. I don't know. Going hollow could solve quite a bit. Si, répète pas la même phrase. Oh, l'enfoiré. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to collect it bit by bit from corpses. Or you can butter a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Là, il donne toutes les trucs, mais il faut les noter sur un papier, genre. What are you looking? Don't try anything clever. Les players candle un bonfire, ça te donne un destus? Ça donne un destus? Là, pourquoi j'ai 11 fioles? Ah ouais, j'en avais 10, j'y ai parlé, j'en ai un de plus. Je pense qu'il y a un autre gars en bas. Droit devant. Arme de gardien du feu requis pour renforcer la fiole d'Estus. Pas de réponse, elle ne parle pas. Ok, c'est bon à savoir, la personne pour la fiole d'Estus est là. Elle m'a donné une fiole parce qu'un joueur dans sa game a candle le bonfire à côté de toi. Ah ouais! Pourquoi vous dites de la merde, genre ça donne. Mais non, mais moi je veux pas des fausses informations. Ah, c'est ça que vous dites par le backseat. Vous remplissez le streamer de merde. Puis après il comprend rien, puis le monde. Ok, je comprends. C'est vrai? Ouais, quelqu'un il joue sur PS4, ça m'étonnerait, man. Je pense que les gars sont sur PC.
C'est cross-platform, pas vrai? C'est un autre joueur qui est fait sonner, genre? Non, pas vrai? Hello there. I believe we are not acquainted. Salut, Pretty Paint, ça va bien? I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, Petrus. I prefer to keep a distance, if possible. Et là, what the fuck, ça tente pas d'être mal? Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Pièce de cuivre. Oh my. You again. You again. I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Eh oui? Would that please you? Very well. Then first, a covenant with the gods. Okay. Renoncer à ce serment et se lier à celui-ci. Quoi? Yo, qu'est-ce que je suis en train de faire là, là? Sur le release de Remaster, ça sonnait H24. Vous donnez le meme. Covenant? C'est quoi Covenant? C'est oui ou non? Et tu peux switch de Covenant au Bonfire. Bonfire? C'est quoi un Covenant? Je comprends pas, là. Ok, m'a dit oui. Jésus! Serment établi. Now, let me share. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Ah oui, ok, le gars, il est direct là! Le gars pour les miracles, il est direct là, genre! What the fuck? Ok, mais quelqu'un qui veut jouer, genre... Quelqu'un qui veut jouer... Hausser les épaules. My companions are my lady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. Okay. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon. Un convenant, c'est un convenant. Ok, je vais aller au feu juste pour comprendre c'est quoi, un convenant. Ça arrive pas tous les jours que je vois le mot convenant. T'as lié à du monde et t'as des rewards selon les convenants. Tu fais là, lui? Serment. Voix immaculée. Je pourrais redevenir humain. C'est pas tout de suite, genre j'imagine que le monde peut m'envahir. C'est des aliens dans Halo? C'est-tu vrai? C'est un autre joueur dans sa game? Incroyable. Alors là, je pense qu'il y a un gros monsieur avec une tête de serpent ici. Il y a un COVID. Fuck. Je pense que le vrai chemin, c'est pas là. Hein. Le cimetière, tout le monde dit aller chercher la grosse épée au cimetière. Il y a des squelettes, blablabla. Genre, faut speedrun, là. Genre, faut aller au bout, genre, pis t'as une grosse épée à deux mains, là. Je sais pas trop quoi, là. Il y a des coffres qui te téléportent. Non, t'es-tu sérieux? C'est le chemin intermédiaire, ça? Faut faire un stream hack. Oh les gars. Con. Oh. Enlève-les ton esti...
Je les entends. Je les entends. Quoi? Comment ça, je peux pas toucher à mon feu? Mais non, mais va-t'en! J'ai pas envie de mourir! Je peux pas toucher à mon feu? Enlève tout événement, ça te ralentit, tu penses? Je suis la vitesse. Ok, attention, qu'est-ce qu'on a? Une épée à deux mains. 130, j'ai-tu besoin de... Ah, il faut 24 pour la lever. Pouah, on n'est pas rendu là. Ah, il faut 15 de dex, les gars. J'allais chercher des enfants qui me servent à rien. Des ennemis proches, mais je pensais que justement le fait... Je pensais que le fait de tuer un feu, ça les enlève, comme dans... Comme dans Elden Ring. Si. La minute là, ça va pas partout. Une bombe incendiaire. Parfait. Il y a un calcul pour la force quand tu prends une arme à deux mains. Ouais. Fait que tu me dis que je pourrais peut-être prendre l'épée à deux mains. Salut Bianca, allô allô. Ouf, j'ai pas l'air de... Oh, vierge! Imagine le gars qui comprend pas, genre, il y a un gros X en bas, il se dit « Non, mais je veux jouer avec la grosse épée, moi! » Fuck off, ta grosse épée. Je vais te déboîter, me faire un tour de rein, c'est ça qui va arriver. 12 plus 6, ça te prend, je pense... Bon, allez, écoutez, les gars, oubliez ça, là. On va jouer à la petite hache. That's it. Tu pourras pas, c'est un bon jeu, en effet. Le nouveau jeu de Game Pass nommé Arcade Paradise est en charge d'une lave... Ouais, j'ai vu ça, c'est sorti il y a un an. Ok, ce chemin-là, je le connais un peu, là. Ah, lui, c'est un exalté du marais, lui. Ça paraît. J'y reconnais, les gars, des exaltés. Attends une minute, lui, il a l'air plus dangereux, là. J'entends l'autre en bas, là. Ça pourrait-il? Si c'est le même bouclier de marde que le mien. Un autre exalté. Ouf, ça sent pas bon, ça. Un petit sonnet de light. On est reparti. J'entends à ma gauche. Oh, le petit con! Pourquoi j'entends? J'entends comme... Ok, parfait. Je m'en viens, mon gars. Je m'en viens. Le bout là, je... On dirait qu'il y a un souffle. Oh le con! Mais non, mais pourquoi il retourne devant? Ça c'est con! Ah, j'aurais dû juste faire ça plutôt que vouloir le faire, le malin. Faire un petit backstab, mon gars. Non.
Ventilateur de la PS5, on est sur PS4 Pro. Ha ha ha! Parry Gaming? Ouais, je sais pas, je suis pas encore parti sur le parry. Donnez-moi le temps, là. Donnez-moi le temps, là. Ah oui, c'est un rat. C'est un ratata. Oh, j'ai quasiment plus d'endurance. Un petit ratata. Le corbeau, ouais, le gros corbeau. Ah. Impossible. Ok, ici. Là, il va y avoir un feu puis un dragon après ça. Là, après ça, je connais plus rien du jeu. Oh, wow, 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 wow. Il y en a combien? Il y en a combien des petits élisseurs, là? Oh oui, c'est ce qu'on veut! C'est un bon jeu. Hein? Ah, c'est en bas, ça. Oh, la caméra, man. Ouf, attends une minute, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Un raccourci! Ok, attends une minute. Hein? What? C'est moi qui attaque en premier. Oh shit, pourquoi... Backstab! Ça, je capote, les gars. Imagine, il y a un trou qui tombe. Des bonnes heures de gaming, ça. Bon. Je vais vous lire un peu. Je sais pas que les animaux étaient aussi beef. Y'en a-tu qui ont jamais joué à Dark Souls dans le chat? Alors déjà là, on a deux chemins. Il y a celui du bas, celui du haut. Je pense que je vais prendre celui-là. Je sais qu'il y a un feu plus loin. Ah oui, ça doit être le truc pour sauter, ça. Ah, 30 ans de jeux vidéo. 30 ans de Mario. Mais voyons donc! Appelle le... Vrai gamer. Appelle l'arbitre, esti, que c'est ça? J'ai clairement clippé. Block B, merci beaucoup pour ton son. Maintenant, t'es dans un vrai gamer. Très apprécié. Merci beaucoup, mon homme. Jamais joué, moi? Jamais joué, Sweet Baby Boy. Moi, salut Valky, ça va bien? Moi, ok, il y a moitié qui dit moi, mais c'est faux. Je vous connais. Je connaissais juste la Wii quand c'est sorti. Le pire, c'est que c'est vrai. Ben voyons donc. Comment qu'on fait? Comment on réussit un vrai saut, les gars? J'ai besoin d'un expert Dark Souls. Là, la petite tache de sang de marde, là. Je vois pas où est-ce que le plancher s'arrête, là. What? Sérieux? Plus haut, peut-être? As-tu vu ça? Je clip! Clairement, mes pieds touchent, puis ils font non, tu descends, man. C'est quoi ce bug? J'appellerais pas ça un bug, je dirais plus un clipping, genre. Que c'est laid. J'ai jamais réussi à passer. Yo, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais il a l'air d'avoir d'autres choses. Peut-être qu'on peut monter plus... Ok, ça ou quoi? On va attendre. Le jeu me dit des affaires, hein? Mais moi, il m'a dit des affaires aussi. Oh, shit! J'ai connu un dragon! J'y connais dans Demon's Souls, c'était mes amis. Fucking laid, man. Fucking laid. Ça, mais c'est le meilleur bout du jeu. Backstab, bye bye. Je sais qu'il y a un feu pas loin, là. Attends une minute. Il y a un gars à droite aussi, faut que je check. Oh. Oh, t'as besoin de moi aussi, je tourne. Oh, il est là, il s'est fait avoir. Non!
Aïe aïe. Oh. C'est parfait, les gars. Parfait. Il y a une porte juste là. Alors, selon ma jumelle, selon mes jumelles, il y a deux gars juste là. Parfait. Il y a un feu juste là. Ça, c'est bien, ça. Nice. Salut, Popo Monster, bienvenue sur la chaîne.